Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Lord Nimer et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale qui changera de toutes les vidéos que j'ai fait pour l'instant. Mais en fait je me devais de faire ce petit tuto pour ceux qui arrivent à rejoindre le serveur Xcube. Alors pour rejoindre le serveur Xcube en fait c'est très simple, vous devez faire une candidature sur le forum. Enfin ça tout était très simple. C'est au niveau de l'installation de l'installeur Xcube. C'est-à-dire de ce que je parle c'est ça. En gros c'est où est-ce qu'il est ? Il est là. L'installeur Xcube, celui-là. Ah, que vous voyez que je fais ça. Quand vous l'installez, vous faites double clic quand vous l'avez ici. Vous faites oui, là, voilà. Et normalement, ça va vous ouvrir. Ça, vous devrez l'installer. Plus installer. Je vais pas le faire parce que ça sert à rien que je le fasse vu que j'ai déjà installé. Voilà. Et en fait, quand vous l'aurez installé, excusez-moi, ça vous dira que vous. Bah, qu'il a été installé, mais en fait ce qu'il faut faire c'est pas ça va pas vous ouvrir une fenêtre, ça vous ouvre aucune fenêtre, c'est tout à fait normal. En gros je vous explique pourquoi j'ai deux Minecraft hein. En gros c'est parce que pour comment je pourrais vous dire ça, quand ça installe si vous voulez vous devez aller chercher le comment ça s'appelle la relays de Xcube dans ici là dans les profiles de Minecraft. Donc moi vous voyez j'ai Xcube et quand vous faites news profile ou edit profile, c'est le profile que vous voulez, vous avez ici dans les use version la relays Xcube. Donc vous avez toutes les relays, donc tous les 1.2, 1.5, 1.7, 1.8 enfin là, pour l'instant. Là vous avez la relays Xcube. Donc la relays Xcube vous la trouverez si vous avez installé. Bien sûr, je ne peux pas vous donner comment avoir le comment ça s'appelle le launcher parce que s'il m'est interdit de le donner, donc je vais pas vous le donner. De toute façon, c'est waitlist, donc vous pourrez pas le rejoindre. Mais pour des raisons de sécurité, je vais pas vous donner le launcher. Donc voilà, vous l'avez la relays Xcube et puis après vous faites save profile et puis vous jouez. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais bon. Après vous jouez. Aussi, je vous explique pourquoi j'ai deux Minecraft. C'est parce qu'il y a deux versions de Minecraft qui sont sorties au niveau. Enfin, deux launchers. Il y a un nouveau launcher qui est sorti et un ancien launcher. L'ancien launcher, c'est celui-là. Parce qu'en fait, avec le nouveau launcher, vous pourrez pas rejoindre Xcube. Ce launcher-là, vous pourrez pas le rejoindre. Parce que c'est tout nouveau et vous pourrez pas. Mais par contre, celui-là. Enfin, me demandez pas pourquoi. Par contre, celui-là, vous pourrez. Aussi, un point important à savoir. Il faut Java RE7 et pas RE8. Donc pour trouver Java RE7, vous allez sur internet, vous trouverez plein d'astuces et même normalement ils vous le donnent sur le forum, c'est très sympa à trouver. Donc je vais pas faire un tuto pour trouver comment installer et tout. Normalement il vous le faut. Si vous regardez ici, et ça vous avez non c'est pas là, c'est dans exécutable. Ici vous avez le JR7. Parce que regardez, quand je fais ça et je vais dans. Enfin on va taper Java. Ah par exemple, ça va m'ouvrir quelque chose. Si j'ai tout bien fait. Non c'est pas ça que je voulais ouvrir. Ah. Java, il est là, Java, hop, là vous avez Jada Impute et Jada Uchila, Java Uchila, je crois que je me suis trompé de dossier, oui je me suis trompé de dossier, autant pour moi, j'en ai plusieurs, je sais pas pourquoi, code Java, non c'est pas ça, test Java, ah non bah, ça bien sûr, normalement un endroit où vous avez, je sais pas comment je pourrais vous le retrouver, ouais, il y a un endroit où en fait vous avez toutes les versions, je sais pas où je pourrais le trouver. Dossier Java. Je sais pas du tout où je pourrais le trouver. Normalement je l'avais à un endroit mais vu que j'ai reset mon ordi, je l'ai plus. Peu importe, vous devez avoir JR7, c'est très très sympa ça. Vous pouvez avoir deux trucs de Java sur votre ordinateur. Il suffit juste ici de changer, par exemple si je mets l'1.8 de Java, je mets l'1.8 de Java. Ou le 8. Je vais la 8 et je mets 7. Voilà, donc voilà, normalement vous avez tout si vous voulez voir. Parce qu'en fait, j'ai regardé sur internet. Voilà, j'ai regardé tuto pour rejoindre Xcube. Il n'y a rien du tout. Donc c'est pour ça le petit tuto pour rejoindre Xcube pour ceux, bien sûr, qui ont le launcher. Si vous n'avez pas le launcher, vous ne pourrez pas être en chemin. Vous ne pouvez pas le rejoindre, tout à fait. Donc voilà, les gars, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un like et à mettre un commentaire et à abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la